Loul, j'allais dire d'un chinois vietnamien. Mais non, c'est pas tout à fait ça. On dirait une musique d'un restaurant vietnamien. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça a un petit peu plus de sens qu'un chinois vietnamien. Mais bon. Allons-y! Au chapitre 14. Attention, parce que s'il y a 15 chapitres, on est bientôt au bout là. Hooper raciste comme d'habitude. Ah, mais toujours. Toujours raciste. Toujours. Alors, Zach, c'était place. Putain, mais j'arrive pas à lire, c'est incroyable ça. Place ou plage? Place de combo plus longue. Ah non, plage sûrement. Plage de combo plus longue. De combo. Ah, c'est pour les points. Ok, ça doit être pour faire plus de points, j'imagine. Ok. Voyons les autres. Eh, mais il y en a plein en fait des masques. C'est un truc de fou. Richter, commencer avec un Uzi. Ah, avec un Uzi silencieux. D'accord. Bon, bon. Ah, et oui, c'est tout. Bon, qu'est-ce qu'on va prendre? Moi, je ne sais pas quoi prendre, sans déconner. Il y a tellement de... Je ne sais pas quoi prendre. Un bon gros lapin, un bon gros cochon, un bon gros tigre. Je ne sais que prendre. Coup de feu silencieux, non, je m'en fous. Coup de feu silencieux, je m'en branle. Ah, mais attendez, attendez, là. Attendez. Non, mais coup de feu silencieux avec la licorne, ça veut dire que tous les coups que l'on tire, tous les tirs que l'on coupe, enfin, un truc du genre, hein, l'un ou l'autre, quoi. Vous m'avez compris. Tous les tirs que l'on fait avec n'importe quelle arme sont silencieux. C'est ça que ça veut dire? Parce que si c'est ça, effectivement, c'est complètement énorme. Est-ce que c'est tous les coups que l'on tire avec n'importe quelle arme sont en fait des coups silencieux? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Oui ou non? Il comprend enfin. Bannissez-moi Vladiné, s'il vous plaît! Ah, c'est ça? Ah ouais, d'accord, mais c'est vraiment énorme, alors. Oh là là, mais c'est complètement abusé! Attendez, mais c'est ultime! Ah d'accord, mais je prends ça, oui. Je prends la licorne alors! Attends, mais c'est complètement n'importe nawak! Ok! Attends. Ok, d'accord. Comment il m'a déglingué! Loul! Oh! Voilà. Quoi? Étape terminée? Loul. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon. Étape terminée. Loul. Oh là là, mais c'est dingue. Ah, non, n'importe quoi. Bon, écoutez, tant pis. On va y aller à la barbare. C'est pas grave. De toute façon, on s'en fout. On a le silencieux. Le silencieux. Loul. Loul. Bon, je vais jouer un petit peu. Loul. Putain, il y avait un clep. Oh putain, mais d'où il sort lui? Ah, oh, c'est pas vrai. Mais putain, genre là, je t'ai pas eu. Ça, c'est, je trouve que c'est vachement difficile de viser parfaitement. Oh là là. Sans le lock quand même, sans déconner, avec le stick droit, c'est vraiment vraiment chaud. Mais genre, je l'ai pas eu là, putain, mais c'est pas possible ça.
Mais c'est pas vrai, ça me le fait à chaque fois. Hein. À chaque fois, ça va faire comme tout à l'heure. Exactement la même chose. Putain. Trophée amateur de chien. Loul. Bon, là on est pas mal. Là on n'a pas été trop mauvais. Donc, pourquoi il y a une espèce de buggy à la micro-machine au milieu là? On va attendre qu'il revienne le gros. Marrant ça. Il y a une espèce de monster truck. On va attendre qu'il revienne. Tranquillou, voilà. Voilà. Donc, en haut, il y a deux qui ont des battes. Là, il y en a un. En bas. Bon, là, on est pas mal. C'est pas le moment de faire nappe. On peut l'avoir de là, lui. Ah non, on peut pas, en fait. Putain. Du coup, prenons pas de risque. Ah ouais, on va changer d'arme. Ah bah en fait on peut y aller. Bon, on va y aller comme ça. Ok, là je me demande combien il y a de niveaux. Mais là à mon avis ça va y aller. Là je pense que ça va y aller là. Oui, c'est vrai que ça fait un petit peu drive. Effectivement. Mais dans Drive, il y a quand même deux thèmes qui sont complètement énormissimes. Qu'à une époque, j'écoutais quand même, pas en boucle, mais oh putain! Mais j'écoutais quand même pas mal. C'est... comment ça s'appelle déjà? Il y en a une, c'est A Real Time Hero, un truc du genre. Celle-là, elle est complètement ultime. C'est vraiment une des meilleures. Et évidemment, l'autre, c'est la musique. Ben, c'est le thème principal, quoi. C'est le thème que dans le film, on entend après les 10 premières minutes cultes du prologue. Voilà, c'est ça. Night Call, c'est ça, voilà. Donc, Night Call et A Real Time Hero, je sais plus, un truc du genre. Ces deux thèmes sont complètement ultimes. Voilà. Donc, lui, attention, on va essayer. Donc, on va faire... Sauf que ça sert à rien. Je n'ai plus de munitions. Malédiction, plus de munitions. Bon. Écoutez, ils sont que deux. Donc, ouais, lui, je vais le déglinguer de la porte et puis je vais me faire l'autre. Ça devrait passer. Voilà. C'est bon. Ok. Moi ton arme, merci. J'ai tous les agros là si je fais ça. Non, c'est pas une bonne technique. Ouais, quoique, non, je suis con. Et silencieux. Ouais, quoique, silencieux, il m'a vu. Lui. Silencieux, mais il m'a vu, lui. Bon, allez, petit défi. Petit défi. On va tenter de ne pas d'ail. Pensez-vous... Oh ! Pensez-vous qu'on va y arriver ? Ça va être dur. Voilà, prends ça, c'est pas grave. Oh putain ! Foiré. Wow. Comment il m'a eu là? Oh, 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 oh bien sûr. Enfoiré. Et voilà le travail. Ça c'est pas du gros PGM, je sais pas trop ce que c'est.
Roxorage. Roxorage. Mais putain, c'est pas possible ça! J'ai même plus de balles maintenant, tiens. Loul. Bon, mais comment il peut être aussi rapide? C'est marrant parce que des fois ils sont d'une rapidité mais hallucinante. Tu comprends juste pas comment c'est possible quoi. Ils sont aussi rapides. Ça c'est incroyable. Hein. On va le finir. Putain. Mais quoi? Mais comment? Et comment? Comment j'ai pu le rater, bon sang? Comment j'ai pu le rater? C'est quand même incroyable. Voilà. Oh là. Mais putain. Mais pourquoi il m'a vu? Il est de dos. Mais tu es de dos. Tu es de dos, bordel, tu ne peux pas me voir. Putain. Pas vrai. Pas y passer la nuit. Bon, on va les attirer. J'ai l'impression qu'ils sont plus rapides qu'au début ou c'est moi là. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont quand même vachement rapides. Ouf, double combo. C'était fait exprès évidemment. Tout était prévu. Attention parce qu'il y a un gros là. Et à mon avis, les gros blacks sont immunisés face aux baramines. Donc, j'ai bien fait d'économiser mes balles avec ça. Quoique, voilà, pour le gros black, il faut ça. Pour le gros black, il faut ça. Voilà, je vais l'aggro là. Je vais l'aggro de là. Je pense qu'il va me voir. Ça, c'est parfaitement bien joué. C'est une intuitation parfaite. Intuitation magnifique. Ah non, non, non. Oh putain, attention. J'avais pas vu que c'était des vitres. Putain. Putain de putain. J'avais même pas vu que c'était des vitres, disons. J'aurais pu me faire avoir. Comme un petit marsupial. Oh tant pis, je prends ça. Oh putain. Ok. Voilà. L'autre n'a rien vu, évidemment. Tout est normal. Bon. C'est pas fini là, putain, c'est pas encore fini. C'est pas grave. Mais attention aux vitres. Non, il n'y a pas de vitres. Ok, c'est bon. Alors, j'ai l'impression qu'il en reste que un. Ah non, en haut, il y a encore un truc. Il y a un violet en haut. Il y a un violet un peu bizarre, donc lui. On va voir ça. Bon, c'est pas fini, alors ça veut dire qu'il faut se faire le violet là. Faut se faire le violet. Il fait un peu peur le violet, mais bon. Ah, ok. D'histoire. Le coffre est ouvert. Prends ce que tu veux et pars. Écoute, je suis pas le proprio, il n'est pas là. Moi, je ne fais que m'occuper du club. Allez, restons civilisés, mec. Ok, ok, je vais te donner son adresse. Bah, j'ai même pas décidé si je voulais l'épargner ou pas. Hein. Dis donc, c'est pas bien ça. Mais ne me fais pas de mal. Hein. Il est sur la 114e rue au nord-est. Si j'étais toi, j'irais maintenant.
Ben, je vais y aller, mais avant, tu sais ce qui va se passer. Tu sais ce qui va se passer, Michael? Loul. En fait, on est obligé de les... Éclatage du crâne. Ah, mais voilà, on a fini, parfait. On est obligé de les finir à main nue, j'ai l'impression, hein. Alors, est-ce qu'il y avait peut-être un masque à récupérer par ici? Parce que je vous avoue que je suis un petit peu myope à ce niveau-là. Mais je crois pas qu'il y ait de masque, hein. Je vais attendre votre truc, mais je n'ai pas vu de masque. Maintenant, j'y vois tellement rien. Bon, go la bagnole! On y va! Bon, mais finalement, c'était pas si difficile que ça, hein. Et j'ai l'impression qu'on est au dernier niveau, non? Ou quoi? Attendez. Attendez, je suis. Attendez, il y avait un masque. Attendez là. Attendez, je vais regarder sur Twitch. Parce qu'entre ceux qui disent des conneries, ceux qui trollent et ceux qui connaissent vraiment le jeu et qui aident vraiment, eh bien, c'est pas si évident que ça de s'y repérer, dites donc. Oui, il reste un niveau, je suis au courant. Non, pas de masque. Hein. Masque de chaton. Ah, c'était très drôle. Un bon gros château nous. Ouais, bon, donc je ne pense pas qu'il y avait de masque. Hein. Voilà, il y a le masque de The Mask. Évidemment, de The Mask. Ça fait de l'humour, ça fait de l'humour. Nous n'avons que des gens roucas en herbe sur ce chat. La future génération roucassienne, elle est ici, sur ce chat, aujourd'hui, maintenant, ce soir. Alors attention, nouveau masque. Alors d'abord la note. D'abord la note. C. Et non, j'aurais jamais réussi à avoir un A et un B. Je crois qu'une fois où on a eu un B. Et encore, je suis même pas sûr qu'on a eu un B une fois. Peut-être un B+, je sais plus, mais... J'en suis pas sûr. Ouh là là. Alors moi, je dis Alien. Moi, je dis Roswell. On dirait un crâne humain. Hein. Un crâne humain. Ça serait du Roswell, mais ça doit pas être ça. Qu'est-ce que ça pourrait être comme animal, cette chose? Peut-être un singe encore, mais vu qu'on en a déjà eu, je dirais pas que c'est un singe. Vous dites quoi, vous? Fourmis, ah, peut-être fourmis, non, non, non. Fourmis sans les antennes, non. Guirou. Une taupe? Oh non, ce serait étonnant, ce serait une taupe. Alors vous êtes plusieurs à dire la taupe. Cyril Hanouna. Ah, c'est vrai, c'est un petit peu la tête de Cyril Hanouna, dis donc. Bogdanov, loul. Non, mais Bogdanov, ça marche une fois, mais quand même, hein, faut pas déconner non plus. Là, honnêtement, je ne sais pas. Iti, Roselyne Bachelot, Sarkozy, ça y est, là c'est du gros n'importe nawak là. Masque du Hooper, Tortue. J'avoue que sans déconner. Ouais, je sais pas, on va voir, écoutez. Attention. C'est quoi cette chose? C'est quoi ça? Il fait le long museau! Et sans déconner, c'est quoi ce truc? J'arrive pas à voir ce que c'est comme animal, cette chose. Alors là, dites-moi. Ah, c'est un tapir! Ah, c'est peut-être ça. Un tapir! Un bon gros tapir! Ouais, ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Loul. Ils avaient plus d'idées. Encore un Uzi, mais on en avait déjà eu un, non, mais on s'en fout, voilà, mais c'est marrant parce que toutes les armes qu'on gagne, j'ai l'impression que les armes qu'on a eues avant, enfin en gros que les armes qui sont de base dans le jeu, elles sont limite plus puissantes, quoi, c'est-à-dire le couteau et tout, je comprends pas pourquoi on nous refourgue des armes qui, je pense, sont moins bien que les armes qu'on avait avant. Donc il va falloir quand même m'expliquer, là, hein. Je ne comprends pas. Oh, attention, final chapter, attention. Chapitre final. On va quand même regarder un petit peu le masque. Ah voilà. Oscar Obscurité. Peut-être que ça permet de voir dans l'obscurité. Bernard Tapir. Putain, ça vole haut, attention.
Bernard Tapie. Obscurité, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être pour voir dans le noir, mais vu qu'on n'a pas eu de niveau qui était obscur, je ne vois pas. Bref, écoutez, on va reprendre notre chère licorne, parce que la licorne, c'est la vie. Comme tout le monde le sait, la licorne, c'est la vie. Attention, niveau final. Hein. Bon, niveau final, énorme défi. Mais énorme défi. On va tenter d'y arriver sans mourir. Attention. Qu'est-ce que vous me donnez si j'y arrive sans crever? C'est ça là. Voilà la grande question. Qu'est-ce qui se passe? Si je termine le niveau final sans crever, qu'est-ce que vous me faites? Qu'est-ce que vous me proposez? Oui, attention aux vitres, mais j'ai déjà vu que là il y avait des vitres. Hein. Attention, je vois tout. Je vois tout. Le respect éternel et un gros gâteau de la part de Olaf. Ça me fait plaisir. Un bon ragoût, ah, ça me fait plaisir. Un bon gros ragoût. Un chaton. Bon. On y va. Énorme. Bon. Non mais ça ne compte pas. Voilà. Le défi commence à partir de maintenant. C'est parti. Bon, ok. Je crois qu'on va abandonner ce défi. Hein. Voilà, abandonnons ce défi, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Bon, ça arrive. Mais putain, c'est quoi ces conneries? Mais ramasse-toi ce putain de flingue! Ok. Ah putain, j'aurais dû tirer avant. Ok. Comment je fais pour... Si je veux plus avoir mon otage. Putain. Mais... Ah ça y est. Ah d'accord, ok. D'accord. Je vois. C'est le rond. Bon. Maintenant je me concentre. Attention. Concentration. Ok, là on est dans le garage. Donc attention. Là on... On est tout en bas, nous allons monter, gravir les étages fous. Je n'ai plus de munitions avec ça, on va laisser par terre. Attention. Ah. Et à qui avons-nous l'honneur? Tu dois être l'un de ces bâtards, l'un des C. Putain, mais sans déconner, ils auraient quand même pu faire des efforts pour la traduction, quoi. L'un des C. L'un de ces bâtards qui tue mes hommes. Ça m'étonnerait que tu sois ici pour discuter. Ça fait un petit peu la fin de Street of Rage avec Mister X. Ça m'étonnerait que tu sois pour discuter. Réglons ça rapidement. Et là, il va nous envoyer... Ah, mais d'accord, ok. J'allais dire, il va nous envoyer son ninja... Comme dans Street of Rage 2. Mais en fait, pas du tout, il nous envoie des espèces de hyènes violettes. Alors attention. C'est de farcir les hyènes violettes. Ah, ok, d'accord. Les hyènes violettes, on peut pas les avoir avec le poing. Alors attendez, peut-être qu'il faut choper les trucs qui sont à droite et à gauche. Là, on va y aller. Alors attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est quoi? Loul. Qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de cloche. Bon. C'est une espèce de gros chat. Oh! Non, mais attends, c'est quoi ces conneries? Ça, je sens que je vais m'énerver, là. Oh, je sens que ça, je vais m'énerver. Ça va faire comme l'autre boss. Le chaton a tué Hooper. C'est des bons gros chatons nous violés, oui. Oh, attends, qu'est-ce que c'est que cette blague, là? Quoi? Ok, d'accord. J'ai pas dû comprendre quelque chose, là. Okay.
Attendez, il y a un truc là, il y a un truc, faut que je... tu meurs en là, il bouge pas. Ok. Loul. D'accord, je l'ai eu, il a même pas bougé. C'est chelou. Peut-être qu'ils sont aveugles ces machins, j'en sais rien. Oh merde! Oh là là! Ils sont en moitié. Non, c'est pas qu'ils sont aveugles. C'est que. Ils approchent uniquement. C'est n'importe quoi qu'ils approchent uniquement en fait. C'est un peu n'importe quoi ça. Ils approchent uniquement s'ils me voient dans leur champ de vision. Ce qui est un peu chelou. Putain mais. Bon, j'essaie d'avoir comme ça. Ouais, écoutez, honnêtement, un petit peu débile. Hein. J'ai pas compris. Un petit peu étrange. Ils avançaient uniquement si j'étais dans leur champ de vision. Bref. Donne-le-moi! Ah. Eh ben d'accord, je n'ai même pas compris comment j'étais mort. Mais ce n'est pas grave. On va recommencer. Loul. Oh putain. Attendez, c'est le combat final ça? C'est un petit peu du caca quand même. C'est un petit peu du caca. Mais putain! C'est n'importe nawak. Pourquoi ils avancent uniquement quand je suis dans leur champ de vision sans déconner mais... Est-ce que vous avez une explication? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce boss. Enfin, c'est pas grave. On a trouvé comment le défaire. Oh, parfait, là, on va l'avoir. Voilà. L'autre. Aïe, ça va être chaud, là. Oh, putain! Pas vrai! Ah putain, je peux pas l'avoir. Ah! Ça va être chaud là. Ah, il vient m'avoir là. Il vient m'avoir. Je me demande si j'ai de l'autre côté. Loul. Ah, ça va aller. Je pense que... Voilà. Attends, donne-le-moi. Il est resté. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Eh, hey, mais sans déconner, là, ils sont sérieux? Donne-le-moi. Il se passe rien du tout. Il y a la fille qui est à côté du big boss qui me shoot.